Dans la brume humide du col de la Oursère, ils sont bien présents depuis la veille pour la plupart, la famille et les amis de Cyril Barthes. Ils n'auraient manqué pour rien au monde les premiers pas du jeune coureur de 24 ans, originaire de Sauveterre de Béarn, sur le Tour de France. C'est un lieu qui connaît bien, ce route d'entraînement, donc on espère aujourd'hui le voir devant dans l'échappée matinale. On sait très bien que ça ira pas forcément au bout, mais voilà, on est là pour le voir passer ici en tête, quoi. On espère, on croise les doigts. Il sait qu'on est là, donc il ne faut pas qu'il se loupe le rendez-vous. Et pendant quelques minutes, les supporters de Cyril Barthes y croient. Le jeune homme de la B&B Hotel Vital Concept est bien placé dans une échappée avec quatre autres coureurs, juste avant la montée vers le col d'Oursère. Regarde, ça y est, c'est parti. Mais il n'y aura pas de ticket de sortie accordé au local de l'étape par le peloton. La grande explication est lancée entre les leaders. Ouais, derrière. Et donc d'y participer, déjà, c'est une grosse fierté, quoi, de voir un de la région quand y participer, quoi. Et en particulier, bah, c'est notre fils, quoi. Voilà, c'est normal, quoi. La montée du col fait très mal. Après le passage du Suisse-Hirschi seul en tête, il faudra attendre de longues minutes avant de voir enfin arriver Cyril Barthes dans le froid et la pluie. Malgré la difficulté de l'ascension, il salue ses supporters massés au-dessus de la route. C'est dur, hein. Ouf. Que oui, c'est très dur. C'est dur pour lui, pour nous aussi, de le voir souffrir, quoi, de le voir. Bon, il a fait un grand sourire quand même. Oui, il a bien vu. Il est content qu'on soit là. Voilà. Un jour à part, en tout cas, pour le coureur Béarn. J'ai pas raté beaucoup de coups, mais voilà, c'est les plus forts qui ont décidé de faire la guerre dans le col. Toute ma famille et mes amis étaient donc dans Oursère, dans le col d'Oursère. Ils ont eu donc la pluie, le froid, mais ils sont quand même restés. Et voilà, ça fait vraiment plaisir d'être soutenu comme ça. De longues heures d'attente, pour quelques secondes seulement d'encouragement, les proches de Cyril Barthes sont déjà prêts à recommencer l'an prochain sur les routes du Tour.